Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous? En tout cas, bien moi, écoutez, ça va exceptionnellement bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode du Let's Play de Marvel Spider-Man 2. Oh là là, quel régal de vous proposer ça, encore une fois. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Digne d'une introduction, l'une des meilleures que j'ai vécues lors d'un jeu vidéo, lors d'une ouverture de jeu vidéo, donc vraiment c'était exceptionnel. Alors, écoutez, avant d'aller voir du coup les photos de Robbie, on va se faire deux, trois, une ou deux sur le passage souvenirs de Marco. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez pu profiter de votre jeu également lors de ces premières heures. Mais c'est vrai que c'est quand même exceptionnel de se dire qu'on y est maintenant après tous ces mois de théorie. Et tout ça, donc vraiment, c'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je savais bien qu'on se reverrait. Ok. Toujours incroyable ce combat. Ah, j'ai du sable dans les bottes et dans les gants. C'est un cauchemar. Hop, on y est. Toujours jouissif, hein. C'est exceptionnel. Alors, il est temps d'ouvrir ce cristal. Quelqu'un nous observe, Kinyar. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Marco se sentait surveillé par quelqu'un. Et qui c'est cette Kinyar? Sa fille, je dirais. Récompense, jeton de la ville. Affiché, elle a disparu. Quelqu'un nous observe, Kinyar. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Elle a l'air intéressante, sa trame à Flint. Je sais pas pourquoi, mais. Ok. Alors. La ville toujours. Toujours ensablée. Ça, c'est ouf, par contre. Le truc, c'est que. Ça, on l'avait imaginé. On s'était dit, imaginez si la. La ville est ensablée. Ça peut être fou. On va aller se faire le crime. Et pour toutes les personnes qui se demandaient, on va faire le 100% hein, en vidéo. Hein, donc, on est là pour un petit peu de temps. Vous aimez voler des trucs? C'est marrant. Parce que moi, j'aime arrêter les voleurs. Ok. Tout en l'air. Ok. Parfait. Non mais, sérieusement. Pourquoi? Non. Oh, laissez tomber. Allez, en route. Hier, après avoir terminé l'épisode, j'ai fait vraiment que de me balader. Et quel kiff. Et encore ce matin, avant d'enregistrer cet épisode-là, j'ai vraiment fait que ça. Et... c'est vraiment une dinguerie. Hein. Genre vraiment, en faisant le loop-to-loop, par exemple, c'est un truc de ouf. Hein. Un cristal de sable. Un des souvenirs de Marco disséminés dans New York. Je suis loupé. Alors. Bonjour. Trop de blagues possibles. Je sais même pas par où commencer. Marche ou pas ça, ouais. Vous voulez pas me faciliter la tâche, hein?
Ah oui, il aime pas l'électricité, c'est vrai. On est bon. Aïe. Ok. Et j'ai le sentiment que... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va nous aider à un moment donné de l'histoire. J'ai eu cette réflexion là hier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cristal ? Alors. Peut-être que je deviens complètement fou. Mais où que j'aille, je les vois. Au travail, à l'épicerie, au parc. Ils nous suivent à la trace. Marco s'est fait de nombreux ennemis. Peut-être que son passé a fini par le rattraper. C'est vraiment étrange. Allez, je remets. On va partir en slingshot, comme d'hab, et on va traverser ça. Regardez-moi ça, cette beauté. Du coup, on peut slider sur l'eau. Au cas où vous ne le saviez pas. C'est plutôt cool. Ça permet de traverser même si vous n'êtes pas près d'un pont. Si vous avez plus de jus, comme j'aime l'appeler. Ça vous permet de prendre de l'élan. La ville est toujours ensablée. Ça c'est cool. Quel quartier. J'ai visité un peu la ville et je suis tombé sur la Brooklyn Vision du coup. Et j'étais presque triste que Pete y perde son travail. Je le voyais bien, prof. C'était plutôt classe. Donc ça sent qu'il va devenir reporter à mon avis, enfin photographe. Peut-être travailler avec MJ. Hein. Qui sait. On va découvrir ça. C'est pas beau ça? Ah. Équiper appareil photo, maintenir. Et voilà. Plus qu'à envoyer et. Peter, comment vas-tu, mon garçon? Salut, Robbie. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal. Magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Il faut que je file, j'ai une réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. À moi aussi, Robby. Merci. Ok. Qu'est-ce que c'est, du coup? Votre progression par quartier a avancé, car vous avez empêché les crimes. Terminer l'activité dans Little Odessa. Ok. Ouvrez la carte. La carte recense et indique les activités des 14 quartiers de New York au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. De nouvelles activités se débloquent. Chaque quartier possède 3 paliers de récompense. Le second palier de récompense vous permet d'utiliser le voyage rapide dans le quartier concerné. Ok. Sélectionnez les quartiers pour voir progression et consulter régulièrement la carte, découvrir comment vous pouvez aider les New Yorkais. Explorez la ville et les activités à proximité pour ajouter à votre carte. D'accord, d'accord. Bon, on va essayer de faire ça, j'imagine. Ok, explorer la ville, souvenir Marco, photo de crime et bien d'autres. Ok. Bon bah écoutez, on va reprendre une photo pour Ou c'est en haut peut-être. Là. C'est parfait. Hop là. Sympa. Ma grand-mère me racontait ses promenades là-bas. Elle empruntait le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville. Un jour, elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates, car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père.
Ah mais attendez, il y avait un truc de slingshot, moi je vais essayer. Là-haut, ça a l'air d'être. Là, non. Allez, grimpe. Ici. Ah ouais, ça doit être ouf. Attends, on va essayer. Super lance-pierre. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, c'est rapide. C'est rapide de ouf, même. Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Eh ben, allons-y. Hein. On va le changer. On a un costume tout propre. Prendre le couloir devant, c'était ouf, ça. On va prendre ça, voilà. Ça va vite. Qu'est-ce que c'est jouissif quand même. On dira ce qu'on veut, mais... Ok. C'est son appart. Ah ok. Ah non, il a le même en fait. Ah bah voilà, débloqué costume. Vous avez reçu un jeton de ville, vous pouvez acheter des nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville, vos pièces high-tech et d'autres ressources. Ok. Vous pouvez également fabriquer des nouveaux styles pour vos tenues avant un style pour la tenue 2.0. Ok. Alors celui-là il est joli, ça j'aime pas trop. J'aime pas les couleurs inversées en fait. Ça j'aime pas du tout mais... Celui-là est sympa. De fou même. Des tenues et des styles supplémentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Achetez-les en collectionnant les jetons de la ville. Et d'autres ressources. Ok. Et pour Miles. Ok. Bon je vous avoue que moi je vais laisser beaucoup celles de base, hein, vous le savez. Mais plutôt stylé parce qu'elles ont l'air améliorées encore. Ça, c'est les tenues des préco, ok. Il y en a d'autres ou pas? Ah oui, il y a ici. Tenue de la Deluxe, ok. Celle-là était sympa. Ok. Et Pete. Ouais. Et puis celle-là. Celle-là, c'est très spécial. Hein. Celle-là est sympa. Celle-là est sympa, ouais, j'avoue. Ah ok, tenue hybride. Kumo, ok, avec les tatouages. C'est celle qu'on avait vue dernièrement. Scarlet Spider 3. Tenue avancée, ouais. Ah, tenue avancée. Franchement, quand je vois la nouvelle, je me dis que quand même la nouvelle est vraiment super stylée. Si on a un style, on va se mettre vraiment de base. Comme ça. Ah bah voilà, un costume tout neuf. Et il fait brun. Salut MJ. Hey, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée? Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi? Ouais, ouais. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Ah non, c'est à sa copine qu'on s'est fait virer. Ah. Pas facile d'être Spider-Man, hein, j'avoue. Non, ça, je veux prendre ça. Ça tue, ça. Et du coup, on va voir la maison de Tante May. Mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef. C'est assez pratique en ville, mais je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a?
Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Oh là là là, c'est tellement incroyable. C'est tellement beau. Oh, la folie. J'adore, hein, franchement, Mary Jane, tout ça. Je quitte bien. Ah, je sais pas c'est qui ça. Ah, je sais, ça doit être bourré de trucs ici, par contre. Qu'est-ce qu'on a, là? Ah. Peter Parker, Forest Hill, New York, avis d'échéance d'hypothèque, numéro de compte, ok, détail du montant, versement essentiel, détail reste à payer. Oh, waouh! Dis donc, taux d'intérêt horrible. Mère, hypothéquer la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Ah ouais, pauvre Pete. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. Speed, moi lagon. Ok. Ça fait bizarre de se dire qu'on est dans la maison de tante May. T'as tous ces effets de lumière, c'est fou. C'est vraiment une dinguerie. Ah, petite pomme. Banane. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non. Je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Et du coup, y a moyen d'aller en haut ou pas? Je serais curieux. Voir la chambre d'ado de Pete. Ah bah il est là en plus. Poser cette question. Ah non, on peut pas y aller. Ok. Bon, moi dommage. Peut-être plus tard, hein. Il y avait ça à ranger. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. C'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison? Bon argument. Ouais. Hey, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout ça est à mai? Ouais. J'ai l'intention de les donner, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Allez, incroyable. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi j'ai pris cette photo? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ah bah voilà, ça veut dire on peut aller en haut. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Oh, trop mignon.
C'est beaucoup trop drôle. Ah, je le kiffe. Mais vous vous rendez pas compte. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie ce jeu. Après tant d'années. Ok, petite salle de bain. Ça rendrait bien des bougies ici. Ça se fait des bougies dans les salles de bain, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Un bureau? C'est la chambre de mai, ça? Ça a encore l'odeur de mai. Elle est là avec Ben. Oncle Ben. Qu'est-ce qu'on a là? La nostalgie, ça frappe sans prévenir. Rah. Pauvre Pete. Où est-ce qu'il était, ce trou? Qu'est-ce que c'est? Mais avec tes lunettes énormes. Oncle Ben, quelle classe! Ouais, de fou. Oh, le premier image de Catch. Closer Hogan vient de The Spider. Dinguerie. Tous les trucs dans la chambre. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public? Notre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, ce taré. Je vais vous dire un truc sur les soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final? Un imposteur? Un égocentrique? C'est n'importe quoi! Ce qui a fait ce bruit? Quel bruit? Oh, Peter. Oh, j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais elle avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Oh, c'est... Je dois retourner voir NG. C'est ouf ces flashbacks là, parce que... Je me dis que potentiellement, on va peut-être voir un flashback avec Oncle Ben, quoi. Encore un truc qu'on avait théorisé, quoi. Dinguerie, en vrai. C'est marqué quoi? Je me disais... Call MJ, ok. Il y a photo. Non, c'est stylé. Hein. Tout ça, ces masques et tout ça. Première place de Robotics. Pionnier de la science en 2003. Ah ouais. Tous les bouquins et tout. Incroyable. Je kiffe. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels? Non, mais je vais vite le savoir. Oh, oh MJ!
Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolé. Harry. Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe? En fait... j'étais soigné en isolement, ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça? Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Simcarie. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi? Non mais tu rigoles. Tu veux entrer? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane? Non, j'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo? C'est vrai? Ouais, on va où? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller? Oh ouais. Quelle dinguerie. Mets la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi, au final. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé? Surtout, de la suppléance, entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est... unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve? Wow. Un truc expérimental. C'est... extrême. Je suis vraiment désolé, Harry. Merci. Attends, on est à Midtown High? C'est ça notre destination en fait? Je peux ni confirmer ni infirmer. Oh là là. C'est magique. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Oh! Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école, à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va? La voie est libre. Viens! Ouais, incroyable! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier? Quasi sûr. Quoi? T'as dit que t'étais sûr? J'étais sûr! Enfin, je le suis! Mais pourquoi tu reposes la question? Je sais pas, je suis nerveux! Monacelli. C'est Eric Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir? Bah, il écoute le match. Ahurissant.
Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars a les top des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. C'est stylé de fou. Vise quelque chose de bruyant. Et il semblerait que les joueurs. Non, trop salissant. Flash, attention, plaquage imminent. Oh, oui. Ah, joli. C'est très bien défait. Super. Bien. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel. Homecoming, incroyable. J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh sérieux, c'est parfait. Ouais, guérir le monde, on prend. Bon, le seul obstacle entre nous et un meilleur, c'est cette fichue clé USB. Trop dingue. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi. Il nous a vus. Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Hé, hey, qui est là? Oh, ça va mal, ça va mal. Allez. Oh, non, non, il y a plus que ça. Je cours. Où tu te caches, petit merdeux? Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. Ah ouais! C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Oh purée, mais c'est incroyable. Truc de ouf. La salle de cours et tout. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. Ok. La voie est libre. En avant. C'était quoi ça? C'est mort. Oh. Hey. Ah ok. Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. Ok. Ça, c'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. C'est qu'une légende. C'est par là. Les aérations. Un royaume des araignées. Labo photo. Ok. Où j'ai rangé mon fluide de toile? J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. Oh, trop bien. Toi, des Avengers. Il a une bonne gueule, hein, quand même, je trouve. En vrai. Tu trouvais pas? Genre... Je trouve. Allez, fais une petite photo. Voilà. Interagir, ah si. J'avais croisé MJ après l'avoir prise. J'avais pas réussi à me décider entre hello et salut. Et ça avait fini en hello. Avec Harry, on était monté en haut d'un vieil escalier rouillé pour faire ce cliché. Mais ça en valait la peine. Tout est encore là. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ok. Bon. Oh.
Salut, toi. Ok. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Je vais rejoindre Harry au gymnase. Parfait. Donc là, j'ai été piqué, mais du coup, je me monte sur... Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Si on verra d'autres flashbacks. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, je vais taper un sprint. Hop, 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 très s'il te plaît, petit. Arrête de courir maintenant. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Pas ici. Parfait. Genre avec Flash, ça serait ouf. Ça doit être par là. Non. Rick, la pourrique. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok, voilà. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. La vache, je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Ok. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Yes! En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc? Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Bah... Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours. Avec le temps. C'est quoi le score? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Ah, la narration, là, elle est folle. Je dois payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis doué. On se dit que notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. J'aimerais bien voir la tête de Flash. Ça serait drôle. Oh, ça y est. Là-dessous, dépêche-toi. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur.
J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train. Y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais ! Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Ok. C'est quoi ce truc? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh la poisse. Qui est là? Ah, oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours. Oh. Hey. T'abuses? On va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé? Ouais. Il y a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi? Tu te fais pas jamber? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous. Sérieux? Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isoler le garde pour récupérer ma clé USB. Distraire la police. Dans le coin. Ok. Les hommes cherchent. C'est... mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi? Eh ben, Rick Labouri. Venez voir! Wow! Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Bougez pas, je reviens tout de suite. Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins et leur canular. Super. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Ok. Jerry doit être en train de m'attendre. Je l'ai. C'est quoi ça? Oh, comment je me sors de là maintenant? I just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse, il est dans le bureau. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you know. Ok, c'est tout pour moi. C'est bon? Il faut se planquer. C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Peter, tu nous excuses une minute. Ça. Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance.
et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo ? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche ? Ça marche. Pete, on va guérir le monde. Hey Miles, t'es occupé ? Qu'est-ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, alright ? Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route ? Me regarde pas comme ça, pas. Accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai ? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Pete a besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, moi. Espera un momento. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard et où moi aussi, je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Me regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... j'étais à des rendez-vous. Galants, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois, et... et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi ? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelón. Je suis sûr que je peux me trouver des speeder trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre, lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à Pathelon. À plus. Ok, bien sûr. Faut que j'aille au raft. Ces couloirs de vent pourraient me propulser. Ok. Un autre, là. Ah oui. Ouais, un courant ascendant. Effectivement. Wow, je commence à choper le truc. Bon, c'est un peu fail. J'avoue. Ok.
Quelle dinguerie, en tout cas, c'est... Encore un courant d'air. Je vais prendre de la hauteur. J'adore quand il y a du vent. Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super. C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Le centre est à court de ressources pour l'encadrer. Et comme Sable partage sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion. Je serai là. Ok. Hey. C'est encore un cristal de mémoire de Marco. Je devrais m'en occuper. Quelle folie! Ouais, bah elle était incroyable cette mission là avec Pete. Pete jeune là, c'était ouf. Je sais pas ce que vous allez penser, mais. Moi, j'ai kiffé. Vraiment, si tout le jeu est comme ça, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait. Hein. Ah! Salut les amis, ici Danica. Vous écoutez le Danicast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Approche-toi, ta moustache, je lâche pour te piquer la couronne. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis? Ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable. L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du Danicast te salue. Continue comme ça. Voilà, c'est jouissif aussi, hein, Miles. Hein. Le costume est beau, hein. Genre vraiment, on va se balader un peu et puis on se laissera là pour cet épisode là, mais il fait des figures de ouf. Hein. Costume et tout. La texture du costume, par contre, dans la cinématique est folle. Ça va vite en plus. Allez, on va faire le petit crime. Ici. Voilà. Ok. Spider-Man, déjà mort et enterré. Oh, ils sont des gros bras en plus. Allez, abandonne. Oui. Ok. Oh, c'est maintenant que vous abandonnez? Ok. Et j'imagine... Ah si, on peut prendre aussi des trucs pour Robbie. Ok, intéressant. Je sais pas si ça a marché. On va essayer. Ah, je me suis trompé. Alors, je peux prendre ou pas? Trop loin. Ah bah voilà. Ici. C'est parfait pour Robbie. Cool. New York City. Le temple du basket.
Certes, on peut y jouer n'importe où, pourvu qu'on ait un ballon et un panier. Mais entre le regard des spectateurs dans les yeux, les provocations des autres et le son du caoutchouc sur l'asphalte, je vous assure que l'expérience est digne. Quelle dinguerie. Alors j'ai vu que j'avais des costumes, enfin, des gadgets. Je peux améliorer ou pas? Point de compétence. Ok. Là aussi apparemment. Il faut quoi? 4. Ok. Compétence. Immédiatement après une première propulsion électrique. Ah ouais, donc on peut faire 2. Ok. C'est quoi ça? Ok, ça les plaques. C'était quoi? Ouais. On va mettre ça. Et en tenue. On va essayer ça. Et toutes les variantes. On va essayer ça pour voir. Ah, c'est spécial, hein. Faut aimer. Hein. Ok, on en a d'autres ou pas? Celle-là, j'aimais bien celle-là. Après, je vous avoue, moi, je préfère quand même celle de base. Parce que celle de base, on peut la mettre en... En variant... On peut même la mettre en bleu et tout, ok. Bon, elle est quand même plus jolie comme ça. La musique pas tout à fait pareille. Cool. On va se faire le petit truc et je vais voir si on peut switch du coup avec Pete par exemple. Quelle folie quand même. Tout ça soit plus normal. Je vais y être. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir confisquer tout ça. Tiens, prends ça. Ok. Je vais t'arracher les plaques, la réunion. Je peux rien faire du tout, bref. Voilà. Ouais, j'ai un certain sens des affaires. Niveau supérieur, parfait. Gadget. Compétence. Compétence. C'est quoi ça? Ok. On va améliorer Pete. Ah, il en faut 2. Ok, bon, on va garder ça. Est-ce que du coup, si je fais ça... On peut passer à Pete. Ok. Stylé. C'est quoi, secondaire, feu d'artifice? Rien ne m'échappe. Ok.
Ah, c'est classe, hein. Putain, le costume est fou, hein. Est-ce que je peux... le faire... Non, faut que ce soit à l'arrêt. Si je peux le faire comme as. Genre en l'air. Ok. Oh, les tricks de ouf. Ok, on va trouver un beau spot. Et on va cesser là, on va faire le truc de Marco là. Ok. Ok, c'est tout. Ah ouais, on les a tués. Parfait. Tout ça pour un aussi petit cristal. J'ai dit à la police que quelqu'un nous voulait du mal, mais ils veulent pas m'écouter. Personne m'écoute jamais. Alors il est temps pour moi de m'en occuper moi-même. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Marco. J'aurais pu l'aider si j'avais su qu'il avait des problèmes. J'avoue. Allô, je viens de discuter avec ma source du raft. Marco a un comportement brutal et incohérent depuis son arrivée, mais il paraît que son état montre des signes encourageants. Je sais pas ce que tu fais avec ces cristaux, mais surtout t'arrête pas. Ok. Bon, bah les petits potes, vous savez quoi ? On va se laisser ici, j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.